Caillou. Salut Léo, bon anniversaire. C'est ta première soirée pyjama, Caillou. Es-tu prêt? On va s'amuser comme des fous. On est très content d'avoir Caillou pour la nuit. Léo a prévu beaucoup d'activités sympas. Caillou est excité aussi. Au revoir, maman. À demain matin. C'est mon cousin Caleb. Il dort ici aussi. Salut, Caleb. À quoi jouez-vous? On joue au ping-pong. Tu veux jouer? Ouais, j'adore le ping-pong. Tu es hyper doué, Caillou. Pas aussi bon que toi. À toi. Un jus de fruits, Caillou? Je veux bien, merci. Déplacer mes cadeaux ici. Je pensais juste qu'il serait mieux là. Oh, ok. Il serait temps d'ouvrir les cadeaux. Non. Hein? Pourquoi pas? Parce que avant les cadeaux, tu dois jouer à épingler la queue de l'âne. Hein? Ah bon? Ouais, règle d'anniversaire. D'accord. Tu y étais presque. Ok, à chacun son tour. On peut ouvrir les cadeaux maintenant? On joue encore un tour. Mais je veux ouvrir les cadeaux. Tu peux les ouvrir après. Est-ce que j'étais prêt? Les gars? Les gars? Attendez. Avant de faire ça, je dois vous dire quelque chose. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Léo. Joyeux anniversaire. Fais un vœu. Quel est ton souhait? J'ai souhaité d'enfin pouvoir ouvrir mes cadeaux. Ça, c'est un vœu que je peux t'accorder. Construisons plutôt un fort pour y dormir cette nuit. Ou on pourrait dormir. Je suis crevée, c'était trop bien. Caillou, tu te sens bien? Je vais ouvrir celui-là. Léo, tu ne m'as pas dit que tu as renversé ton jus de fruits. Oh non. Mais ce n'était pas moi. C'est pas moi. C'était moi. C'était un accident. J'ai vu des trucs et renversé et... Je suis désolée. C'est pas grave, Caillou. Les accidents arrivent. Mais tu aurais dû me le dire au lieu de nous le cacher. Je vais le nettoyer. Désolée, je ne t'ai pas laissé ouvrir tes cadeaux. J'avais peur. Je ne voulais pas avoir d'ennui. C'est pas grave, Caillou. J'ai eu peur de dire la vérité des fois. Plus, épingler la queue de l'âne était très drôle. Je peux aider? Ce serait bien, merci. «
comme tout neuf. Merci, Caillou. Oh. Tu veux ouvrir mon cadeau d'abord? Ah. Une fusée? Merci, Caillou. Maintenant, cette fête d'anniversaire peut vraiment décoller. Chaud. Désolé les gars, j'ai essayé de brancher le ventilateur mais je pense que ça a tout éteint. Oh mais on y était presque. Moi j'y étais presque. Non, oh. Du calme les gars, je vais actionner des interrupteurs là-haut, on va se geler d'ici peu. Il fait vraiment chaud. Ouais. Je fonds. C'est un petit peu comme... la lave! Oh. Mousseline, reste sur ton île, d'accord? Oh, d'accord! L'escalier! On y sera en sûreté. Tant pis, c'est chacun pour soi. Jamais 201. On n'a pas assez de coussins. Ah, il y a de la place que pour un. Désolé, Caillou. Peut-être la deuxième fois. Oh non, Gilbert! Il va dans le mauvais sens. C'est la pelote. Faut mettre Gilbert en sécurité. Comment? En agissant ensemble. Aha! Et Gilbert. Gilbert, tu veux un jouet? C'était bien pensé, Caillou. T'as bien crié, Léo. On doit encore arrêter la lave. Papa,
On a sauvé Gilbert! C'est super, Caillou. Je devrais avoir trouvé une solution d'ici peu. Ça a marché! Gilbert m'a porté bonheur. Tu sais ce que ça veut dire? Écoutez tous, je sais qu'on est tous excités aujourd'hui parce que c'est journée costumée. Rappelez-vous, la seule règle du déguisement, c'est de porter quelque chose qui vous fait plaisir. C'est ça. Eh bien, qu'attendez-vous tous? Go! Choisis quelque chose pour qu'on puisse jouer. Je ne suis pas sûre. Commencez, je vous rejoindrai. Je suis une fée guerrière. Waouh! Trop bien! Tous les autres costumes étaient pris? Non, j'aime bien celui-ci. La magie, c'est génial. Mais la fée, c'est un costume de fille. Mais pas du tout. Si, ça l'est. Ça l'est? Pourquoi? C'est juste ce que je voulais porter. Tu pourrais être un viking. Ou un pirate. Ou un... Non! Oh! Jeffrey a perdu sa baguette. Ça n'était pas très gentil. On lui a juste dit que c'était un costume de fille. Pour qu'on puisse l'aider à choisir le bon. Ah! Souvenez-vous de ce que Mademoiselle Martin a dit. La seule règle du déguisement, c'est porter quelque chose qui vous fait plaisir. Il avait l'air d'avoir du plaisir.
Et Jeffrey, tu as laissé tomber ta baguette magique. J'en veux pas. Mais t'en as besoin pour battre les ninjas. Et tu as besoin de tes ailes pour voler. Ta fée guerrière était vraiment bien. La magie, c'est ce qu'il y a de mieux. Désolée pour ce que j'ai dit de ton costume, Jeffrey. Porte vraiment ce que tu veux. Et si ça te fait plaisir, alors c'est parfait pour le jour costumé. Où ta baguette magique? Allez, Mousseline. Excusez-moi, ma sœur Mousseline a besoin d'une coupe. Tes cheveux sont trop lents. Non! Tes cheveux te gênent pour voir, Mousseline. Tu te rappelles pas? Attention au... mur. Gilbert? Je prends tes cheveux en pleine figure. S'il vous plaît. Très bien, merci. Ça sera bien, Mousseline, je te promets. Plus, ils vont pouvoir t'enlever ça. Mousseline, c'est vraiment collé. Maman? C'est vraiment englué. Je pense qu'il va falloir le couper de là. Couper? T'inquiète pas, Mousseline, t'auras pas mal. Problème de pâte polymère dans les cheveux. Ça va partir vite fait. Ça te plaît? Ah, merci. On va te faire une coupe super aussi, ma petite. Maman! Mousseline, n'aie pas peur. Oui, Mousseline, je vais vous couper, c'est bien. Tiens, je te montre. Tu pourrais avoir des cheveux de clown comme moi. Et alors si... Voilà. Ça te va très bien, Caillou. Oh.
long aussi. Celui-là est super coloré. Papillon. Oh, tu aimes ça? Très bien, je sais ce que je vais faire. Je peux? La pâte, c'est parti. Tu tiens très bien, Mousseline. C'est juste un peu d'eau, Mousseline. Juste mouiller tes cheveux pour encore les couper. Tu vois? Juste l'eau. Je peux en avoir. Juste prétends être sur un bateau. Et maintenant, la touche finale. Papillon! Ça, c'est très joli, Mousseline. Ouais, une coiffure peut-être. Drôle! Ouais. Oh! Joli! Avec quoi est-ce que tu joues? Mon jeu de billes. Ça a l'air compliqué. C'est vraiment chouette. Il y a quoi dans le sac? J'avais ce jouet quand j'étais petit. C'était à ton père aussi. Oh! Un train électrique? Wow! C'est vraiment super, grand-père. Je faisais rouler cette chose à toute allure dans la maison à ton âge. De la cuisine, au salon, au jardin. Bon, je ne devais pas le faire rouler vite dans toute la maison et le jardin. Je veux qu'il roule ici très vite. Les trains ne veulent pas tous aller vite, Caillou. Parfois, ils veulent ralentir et profiter de la vue. Faisons un rail lent et régulier, dans un cercle sûr et simple. Ok. Peut-être qu'il peut monter là et faire un looping et faire exploser les confettis. Je ne pense pas que ce train puisse faire des loopings, mais il peut... prendre un virage. Bon, bien du plaisir. J'ai promis à maman de faire le ménage avant son retour. Ok. Salut, papa. Et là. Voilà. Ouais, un petit cercle normal pour un petit train normal. Et maintenant, attention! Tu vois, c'est pas beau ça, Caillou? Je peux le regarder une journée entière. Comment ça va ici? Oh, grand-père Da. Il est très bien ton train, Caillou. J'espérais qu'il aille plus vite. Grand-père accepterait qu'il aille un peu plus vite. Hmm.
Bien sûr. Génial! Ce serait bien d'avoir les voix longues comme mon jeu de billes. Grand-père accepterait qu'elles soient un peu plus longues. Oh. Peut-être été un peu trop loin. On doit le défaire. Ouais. Oh. Mais peut-être qu'on peut l'essayer d'abord. Ah. Prêt, papa? Prêt, Caillou. Dernière partie. Qu'est-ce que... Surprise! Mon train. Je suppose qu'il voulait aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'on s'est trop bien amusé. C'était un samedi pluvieux, mais normal. Sauf pour une chose. Un cri. On m'a pris ma balle élastique orange. Dernièrement, elle se trouvait juste ici. Inspecteur Teddy, on va trouver qui a fait le coup, et puis pourquoi, et où ça. Prêt, Teddy? Oh, oh. Oups, attention, inspecteur. Allons observer la scène du crime. Mon coffre a joué. Inspecteur Teddy, je ne connais qu'une personne avec des cheveux comme ceux-ci. Mousseline? Caillou! Carotte? C'est pas le temps de manger, Mousseline. Où étais-tu ce matin? Moi? Je les ramasse, Mousseline. Je te les rends. Si tu me dis où tu étais ce matin. Parce que j'ai trouvé ça, un cheveu orange dans ma boîte à jouets. Et pas de balle orange. Carotte! Ils sont oranges aussi. C'est cela, Mousseline. Carotte! Mousseline! Mousseline? Qu'y a-t-il? Carotte! Oh, désolée, Mousseline. Désolée, maman, je jouais à l'inspecteur. Je cherche ma balle orange. Caillou, la personne avec laquelle tu joues doit participer au jeu. C'est drôle pour tout le monde comme ça. Désolée, maman. Désolée, Mousseline.
dois laisser tomber cette affaire, Caillou. Laisse les adultes s'en occuper. Mais maman... C'est trop risqué. Ce chat voleur est trop bon. Teddy, je pense que maman nous ouvre une piste. Un chat voleur. Gilbert, après lui! Oh non! Inspecteur Teddy! Je vais finir ça, Teddy. Pour nous deux. Arrêtez ce chat! Ma belle! Gilbert, il n'y a pas besoin que ça se passe comme ça. Simplement rends-moi ma balle et on oubliera ce qui est arrivé. Juste rends-la-moi, Gilbert. Oh, qu'est-ce que maman a dit? C'est plus drôle si tous participent au jeu. Désolée de te poursuivre, Gilbert. Veux-tu jouer à attraper? Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Caillou. Ah. Maman! Maman! Oh. Oh. Quoi, Caillou? Tu as vendu la vache? Ouais, je l'ai échangée pour des haricots. Haricots? Mm-hmm. Ce sont des haricots magiques, maman. Oh, Caillou! Sa mère ne l'a pas cru. Mais Caillou savait que les haricots étaient magiques. Il les a plantés dans le jardin. Le jour suivant, la géante tige du haricot a poussé jusque dans les nuages. Alors Caillou est monté tout en haut pour voir ce qu'il y avait là. Ce qu'il a trouvé en haut de la tige était... un grand, terrible géant! Fifafo! Caillou! 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 Fifafo! Mais c'est quoi tout ce bruit? Pomme! Tu devais aider Mousseline à s'endormir, Caillou! Désolée, papa. Je vais lire une autre histoire. Très bien. Bonne nuit, vous deux. Bonne nuit. Oui. Alors, c'est l'histoire de... la petite Mousseline rouge. La petite Mousseline rouge apportait un panier de nourriture chez sa grand-mère. Mais en chemin, elle rencontra...
Le grand méchant. Méchant Wu, va-t'en. Oh non, Mousseline, désolée, je ne voulais pas te faire peur. Laisse-moi trouver une autre histoire. Mousseline Boucle d'Or a trouvé une maison dans les bois. Elle était fatiguée et avait faim. Elle frappa à la porte. La porte était ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Allô? Mousseline Boucle d'Or a trouvé une table avec de délicieuses spaghettis dessus. Le premier bol était trop chaud. Et le deuxième bol, trop froid. Mais le troisième bol était juste bien. Mousseline Boucle d'Or, très fatiguée, cherche un endroit pour dormir. Elle trouva trois lits. Le premier était bien trop grand et mou. Le deuxième était trop dur. Mais le troisième lit était juste bien. Mais soudain, les trois ours qui vivaient dans la maison sont rentrés. Qui est en train de dormir dans nos lits? Les ours étaient très en colère après Mousseline Boucle d'Or pour dormir dans leur lit. Mais ils décidèrent de la laisser dormir. La fin. Nuit, Mousseline. Ensuite, qu'arrive-t-il? Écoutez tous, on est ici pour notre premier voyage de camping. On dormira sous les tentes, nous verrons la nature, on rôtira les chamallows au feu du camp. C'est excitant, mais il faut faire attention et, le plus important, écoutez ce que Madame Jasmine et moi vous demandent. Madame! Quand on est dans la nature, il faut faire attention. Scout Caillou, pourquoi faut-il être sur ses gardes dans la nature? Ainsi on peut être prudent et s'amuser. C'est ça. Bon, d'abord il faut tous monter les tentes. Suivez-moi, Scout. Devoir dormir dehors. T'inquiète pas, Caillou. Camper ici, c'est super. On peut rôtir des chamallows autour du feu. Oh, et quand la nuit tombe... C'est bien ça, Clem.
Je n'aime pas la nuit, ça fait peur. Et je n'ai pas ma veilleuse ici. La nuit ne fait pas peur. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand la nuit tombe, on peut observer et voir chacune des étoiles. Chaque étoile. Clémentine. Que se passe-t-il? Ça va aller? Maman! Oh! Oh! Tout va bien, chérie. Je l'ai eu. C'est juste une coccinelle, Clem. C'est pas grave. Merci de me sauver, maman. Je veux dire, Madame Jasmine. C'est pas grave, Clémentine. T'as eu peur. Tu n'aimes pas les bestioles. Tu as peur des coccinelles? On a tous peur de quelque chose, Caillou. À regarder. Hé! Hey, elle ferait des bonnes veilleuses de nuit, n'est-ce pas? Bonne nuit, Clémentine! Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit! Bonne nuit! Eh bien, bonne nuit, vous tous! Allons dormir, s'il vous plaît. J'ai hâte de choisir un animal de compagnie aujourd'hui. Quel genre d'animal vous deux voulez? Un cheval? Un cheval serait un peu trop grand pour la maison. Un chèvre? C'est peut-être une bête idée. On peut avoir un lapin? Oui, un lapin, c'est parfait. Lequel? J'aime bien le marron. Oh. Oh. Oh, pourquoi pas toi? Oh. 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 Eh bien, on dirait qu'on a choisi pour toi. Appelons-le Petit Bou. Viens ici, Thibou. Thibou aime Mousseline. Un bon tour de jouer avec lui. Attends. Reviens, petit bou. Caillou peur, petit bou. Venez les enfants, allons faire un clapier pour Petit Bou. Oh.
Petit Bou va adorer son clapier. Caillou, tu peux me passer le marteau? Je crois que Petit Bou ne m'aime pas. Non, Petit Bou t'aime, Caillou. Mais peut-être que tu dois être juste un peu plus doux avec lui. Ouais, laisse-le venir à toi. Ah, c'est fait. Voilà. Hein? Papa? Besoin d'aide? Essayons encore une fois. Voilà. Je vais chercher Timou. Ton clapier. Oh, ne t'enfuis pas. Gentil, Caillou, gentil. Mais où vas-tu? Caillou, calme! Te voilà! Petit Bou, ça aurait bien joué. Caillou, essaye de prendre du recul. Hein? Mais je veux jouer avec Petit Bou. Oui, mais tu es très excité et tu es un peu bruyant. Tu fais peur au petit gars. Je lui fais peur? Imagine-toi être un lapin. Comment voudrais-tu être approché par quelqu'un? Essaye d'être lent et doux. Et c'est ça, Caillou. N'aie pas peur, Thibaut. Je suis gentil. Caillou gentil, Thibaut.